Hey, Matelot ici, Défroy, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser cette grande maison moderne que vous avez derrière moi. Et puis voilà, je vais vous faire un petit peu le tour, histoire de vous montrer. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de cette maison-là dans les commentaires, hein. Et du coup, vous pouvez remarquer que, pour ceux qui ont vu le dernier tutoriel que j'ai fait sur la chaîne, eh bien, l'espèce de mini-colline, là, artificielle, l'espèce de grand socle de la maison, je l'ai réutilisé depuis le dernier tuto. J'avais mis une grande maison en bois à la place, hein, et j'avais envie de réutiliser ce même socle-là pour en faire quelque chose d'autre. Et notamment, vous voyez, une espèce de grande maison moderne avec des sapins. Vous voyez, ce coup-ci, j'ai mis les arbres, j'ai mis des sapins à la place, on avait mis des chênes la dernière fois. Et puis voilà, donc du coup, voilà à quoi ressemble la maison. Avec des grandes terrasses un peu partout. Vous voyez, et notamment cette espèce de grand cadre en plein milieu, ça que j'aime bien vraiment, ça donne un cachet à la maison. Un truc vraiment... vraiment nickel, vous voyez. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour réaliser cette maison-là, on va la refaire juste derrière. Et en premier lieu, hop, je vais vous donner... Attends, j'arrive pas à retrouver les... Voilà, c'est ça. Je vais vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Sans les shaders quand même, pour y voir mieux. Allez hop. Hop, alors, une fois qu'on a ça, eh bien, je repasse vite fait ici pour regarder un peu la maison. Vous voyez, avec des espèces de grandes terrasses couvertes de temps en temps, et des lustres en style moderne et tout. Aïe, aïe, aïe. Hop, la petite piscine qui va bien. Ouais, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'autant plus que j'ai mis une sorte de jardin. Vous voyez, le jardin de la maison, il est sur le toit de la maison. Ça aussi, c'est un truc sympathique, avec le reste d'une terrasse ici. Ouais, quand même, hein. Ah, j'aime bien, moi, cette maison. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, donc, du coup, pour pouvoir réaliser ce tutoriel, on va d'abord s'attaquer au socle, comme vous pouvez le voir ici. Et je vais réutiliser, du coup, la partie du tutoriel de la vidéo dernière, de la dernière vidéo, du coup, où on avait réalisé déjà ce socle ensemble, ok. Donc, je vais vous le repasser. La seule différence, c'est que, ici, au niveau des barrières, eh bien, ce sera... j'avais mis des enclumes à la place, à la base. Et pour ce socle, ici, bah, je vais utiliser tout simplement des vitres blanches, ok. On remplacera du coup les enclumes par des vitres blanches, et puis voilà. Et on va tout de suite faire le socle lui-même. Donc on va commencer par le premier niveau, donc la première terrasse, ok. L'idée, alors j'ai mis les dimensions ici sur le petit panneau, hop, en tout on a 93 blocs de large sur 177 blocs de long, donc c'est à dire qu'entre ici le bout là-bas et là-bas vous en avez 93 blocs, et entre le bout là-bas et là-bas il y en a 177, donc voilà, comme ça vous avez à peu près la place qu'il vous faudra. Donc on va commencer en partant de cet escalier, donc l'escalier on va le mettre en 5 blocs de large, du coup des escaliers en diorite poli. Et voilà, sur deux blocs de hauteur, donc on va mettre notre premier contour de la terrasse, du coup, avec des escaliers en diorite poli, puisque comme vous pouvez le voir, lorsqu'on regarde comme ça, on voit bien que ce sont des escaliers qui sont posés à l'envers. Mais vous voyez bien qu'il est à un bloc au-dessus du reste de la plaine, ici on va mettre près de l'herbe en dessous, mais c'est plus facile de mettre des escaliers en premier, sur tout le pourtour comme ça, et je vais vous donner du coup les dimensions pour faire... Pour poser les escaliers à l'envers du coup, ok. Ok, on va se déplacer un petit peu sur le côté pour ces dimensions là. Ok, maintenant on va sur cette partie là.
Et maintenant, on continue ici, même si c'est la même chose que l'autre côté en face. Hein. Hop, on continue ici. Voilà, et donc en gros vous pouvez vous rendre compte que les dimensions ici et là-bas, donc du coup sont exactement les mêmes que ce qu'on avait ici et ici. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir un socle qui est symétrique. Du coup, tout ce que je vous ai montré comme dimension de ce côté-là, en fait ce sont les mêmes de l'autre côté, vous voyez. Donc, normalement vous devriez avoir ça à la fin. Avec du coup nos 5 blocs de milieu, ici comme ça. Alors, une fois qu'on a ça, on va pouvoir remplir toute notre première terrasse ici, vous voyez. Et donc, pour faire ça, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des blocs de diorite, des blocs de béton gris clair en poudre, et des blocs, du coup, de roche lisse, que l'on va mettre de manière complètement éparpillée, complètement aléatoire, de sorte à avoir une espèce de patchwork, un peu comme ça, vous voyez. Donc, ça prend un petit peu de temps, puisqu'il faut tout mélanger. Évidemment, pour ceux qui ont World Edit, ça va beaucoup plus vite, mais voilà, ça prend un petit peu de temps. C'est comme ça, mais ça donne un effet sympa, donc c'est bien. Allez, on va commencer comme ça. Alors juste, petite précision évidemment, le béton en poudre tombe, donc du coup, vous aurez besoin de mettre un support en dessous pour éviter qu'il tombe, tout simplement. Allez, on commence. Hop, donc... Une fois qu'on a fini notre grande terrasse ici, ah ben non j'ai pas fini, tiens j'ai encore des trous, hop, hop, et bien on a normalement, après ça dépend si vous l'avez fait ou pas, mais normalement vous avez un trou en dessous là, vous voyez, et c'est pas très joli, hein, vous en conviendrez. Donc l'idée c'est d'obtenir un résultat comme ça, c'est-à-dire avec bah, de l'herbe en dessous, donc un bloc d'herbe en dessous des blocs d'escalier à l'envers en diorite qu'on a mis, plus un autre bloc d'herbe devant, histoire de donner un aspect un peu colline, en fait. Donc du coup, voilà, hein, normalement vous avez ça, et paf, on met un bloc en dessous, un bloc par devant, et normalement ça s'encoche comme ça, à côté de l'escalier. Les escaliers, du coup, c'est vrai que je ne les ai pas précisés, mais du coup, vous avez de la roche lisse à côté pour faire la rambarde d'escalier, d'accord? Et vous avez des escaliers, du coup, de chaque côté du bâtiment, donc ici... en plein milieu, hein, comme sur le modèle. Hop, donc ici, là, là-bas, en face, là-bas, et ici. Donc vous avez quatre escaliers qui sont tous identiques. Donc pile en plein milieu du socle, ici, là, vous voyez, donc en plein milieu. Et toujours 5 blocs de large des escaliers en diorite poli. Voilà. Et donc, on va rajouter de l'herbe en dessous les blocs d'escalier. Vous, si vous êtes en survival, évidemment, vous utilisez de la dirt, donc de la terre. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ça, d'ailleurs. De la terre, tout simplement. Ben voilà. J'ai mis le jeu en français il y a que très récemment. Donc voilà, j'ai besoin d'un petit peu de temps d'adaptation. Bref, du coup, voilà. On met de la bloc de terre ou d'herbe, selon vos dispositions, en dessous les blocs de diorite. Moi, j'ai encore des blocs en dessous parce que j'ai mis des blocs... de béton en poudre au-dessus, hein, bien sûr. Hop, voilà. Et on rajoute une deuxième couche, comme ça. Paf, 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 paf. Paf, 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 pouf, 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 pouf. Et normalement, c'est bon. Donc voilà, vous faites ça sur toute la longueur du bâtiment, histoire d'avoir véritablement notre premier... notre début de colline, on va dire. Ok, donc maintenant, j'ai mis directement en place la deuxième... En tout cas, le contour de la deuxième... partie de la construction, du coup la deuxième terrasse, et donc ici pour pouvoir la faire, on va tout simplement aller en face des escaliers qu'on a déjà mis, vous voyez, donc comme on a mis là, hein, vous voyez tout est aligné, hop, et donc en face des escaliers qu'on a mis déjà, eh bien on va poser, hop, ici comme ça sur notre terrasse, des escaliers, enfin des blocs déjà, de roches lisses, ici comme ça, en face de ceux qu'on avait mis tout à l'heure. On va même mettre ici, hop, comme ça, au-dessus. On va mettre un bloc de roches lisses ici comme ça, puis après, en diagonale, comme ça, on va en mettre 5 au total. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on arrive au niveau où on va mettre, du coup, tous nos escaliers en diorite
mais à l'endroit, ce coup-ci, pour faire notre contour du coup de notre deuxième terrasse. Sauf bien évidemment au niveau des escaliers, où là on va mettre aussi des escaliers sur toute, hop, la longueur. Hop, comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre des escaliers en diorite? C'est parce que le blanc ressort mieux quand on regarde de loin, tout simplement. Voilà, donc on fait des escaliers comme ça. On peut rajouter une roche de pierre lisse en arrière ici, comme ça. Ça fait plus joli. Hop. Ok. Et donc, ces escaliers-là, on va refaire exactement la même chose du coup de l'autre côté. Et là-bas sur les côtés aussi. Par exemple, on va le refaire ensemble. Youp. Donc, on prend notre escalier ici, on prend notre rambarde, on va pile en face, on met un bloc ici sur le côté, hop, et un autre ici par-dessus, et après on fait 1, 2, 3, paf, paf, paf. Alors donc du coup on a bien 1, 2, 3, 4, 5 blocs en hauteur en diagonale à partir de là, donc c'est bon. Et hop, vous voyez. Ah oui, donc du coup je suis bête, j'ai enlevé les blocs en dessous alors qu'il fallait les garder. C'est juste une étourderie. Hop, on rajoute les escaliers comme ça. On ne les rajoute pas ici, hein, les escaliers, bien sûr. Hein. On va rajouter de l'herbe à ce niveau-là pour vraiment faire une colline, comme vous pouvez le voir là-bas. Hop, paf, 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 paf. Paf, 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 paf. Paf, 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 paf. Et voilà, vous avez un joli escalier. On va rajouter des blocs ici, comme ça aussi, de roche lisse. Et voilà, on va faire la même chose rapidement de chaque côté restant. Ok, donc une fois qu'on a mis les escaliers en place, je vais vous montrer comment faire tout le reste du contour de notre... Oui, parce que vous, normalement, vous n'avez que les escaliers qui flottent dans le vide, hein, on est bien d'accord, vous n'avez pas le contour. Et donc du coup, c'est ça que je vais vous donner tout de suite. L'idée, c'est de partir du bord de nos escaliers ici comme ça, ok, donc à partir de cette bloc de roche lisse. Et on va partir avec des escaliers en diorite poli face vers le haut, du coup c'est coup-ci. Et je vais vous donner du coup les dimensions pour pouvoir poser tous vos blocs comme il faut. Ok, pour cette partie-là, on se décale un petit peu sur le côté ici. Alors je vais me mettre un peu plus haut pour qu'on puisse voir mieux. Hop, et maintenant, sur le côté à ce niveau-là, je vais garder comme ça. Hop, de l'autre côté maintenant, donc c'est la même chose que juste ce qu'on a fait juste avant. Et je décale sur le côté pour refaire par ici, revenir par ici. Ok, donc normalement, maintenant vous avez toutes les dimensions pour pouvoir placer les contours du socle sur toute cette partie-là, ok. Et l'idée, c'est que bien sûr, ce sera exactement la même chose sur l'autre partie. Vous voyez, vous prenez le symétrique, toutes les dimensions que vous avez vues là, vous les reportez de l'autre côté pour avoir l'autre côté tout simplement du socle. Comme ça, normalement, une fois que vous avez fait ça, vous avez ça devant les yeux avec les escaliers et les contours ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, faire la colline elle-même. On va vraiment finir la colline. Elle sera creuse, hein, il n'y aura rien du tout dedans. Par exemple, je vais vous montrer. Youp, paf, paf. Vous voyez, c'est tout creux à l'intérieur, donc c'est un peu une fausse colline. Mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. On va prendre du coup des blocs d'herbe, ok, et on va venir les mettre juste à côté, ici, comme ça, de nos escaliers, de notre rambarde d'escalier. D'accord ? Et l'idée, c'est qu'on va partir plutôt du haut ou du bas, enfin non, du bas, vous partez d'où vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Et on va suivre les contours comme ça, vous voyez, paf, 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 paf. Vous voyez, comme vraiment une espèce de ligne de bloc comme ça qui suit les contours de notre escalier qu'on vient de faire. Hop, la même chose en dessous comme ça, paf, paf. Vous voyez. Vous voyez, comme ça, ça décale un petit peu à chaque fois. Et c'est plutôt joli, je trouve. Donc, c'est plutôt cool. On va finir
ici comme ça pour arriver tout jusqu'en bas. Normalement, on arrivera pile là-dessus, sur la ligne qu'on avait mis au départ. Vous voyez, paf, 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 et vous voyez, ça marche super bien. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, vous avez un espèce d'effet comme ça qui est assez sympathique, assez joli à l'œil d'avoir un espèce de décalage comme ça, petit à petit. Et du coup, on va faire ça sur toute la longueur de notre socle tout entier. D'accord ? Hop, allez, c'est parti. Et hop, voilà donc, maintenant on a fini notre socle, on a fini notre espèce de mini colline. On va mettre du coup des escaliers en diorite ici sur le côté de nos rambardes d'escaliers. Ok, on en mettra à chaque fois sur nos 4 escaliers. Et on va mettre une série d'escaliers en diorite à l'envers ici comme ça. Hop, en en mettant ici dans les coins, paf 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 paf, etc etc. En n'oubliant pas d'en mettre paf dans les coins ici comme ça, du coup, pour éviter de voir, vous voyez, la terre qu'on a sur le côté ici. On en met sur le coin, hop, et c'est bon, tout est nickel. On va faire ça sur toute la longueur jusqu'à l'autre escalier, et entre chaque escalier bien sûr. On fait ça rapidement, bon j'ai quasiment fini en fait. Hein. Hop, 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 vous voyez, hop. Et hop, du coup, dans le sens de l'escalier. Et à côté, on met des escaliers à l'envers. Paf. Paf, 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 paf. J'ai des trous dans mon plancher. Très bien. Donc, l'idée, ce sera de faire la même chose ici, autour de notre comment ça s'appelle, notre socle, notre colline. On va appeler ça la colline, ce sera plus simple. Donc on reprend les enclumes, on les met dans ce sens là sur le rebord de l'escalier. En réalité, il y aura même un rebord comme ça, ça finira comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va mettre le grand socle, notre deuxième terrasse, notre grande terrasse du dessus. Et donc on va faire un peu la même chose que ce qu'on avait fait ici sur notre première terrasse, c'est à dire qu'on va reprendre les blocs de diorite, les blocs de béton gris clair en poudre. Alors si vous n'avez pas envie de vous embêter avec du béton en poudre parce que ça tombe par terre et que du coup vous avez besoin de mettre un socle en dessous, prenez autre chose, un autre bloc gris. Ici j'ai pris du béton gris clair parce que ça donne bien, ça rend vraiment bien au niveau de la texture. Pour lorsqu'on regarde de loin, vous voyez, ça donne vraiment plein de petites nuances de gris mais sans que ça soit choquant. Voilà, j'ai essayé plein de blocs. Hein, donc, mais si voilà, vous vous êtes embêté par le bloc de béton gris en poudre, bah voilà, prenez autre chose, c'est pas grave spécifiquement. Mais moi je vais les reprendre quand même, et l'idée c'est qu'on va refaire plein de blocs aléatoires dans tous les sens sur cette surface là. Donc ça va demander beaucoup de blocs, mais c'est pas grave. Moi du coup je vais mettre des blocs comme ça en dessous pour soutenir, et un peu des blocs au hasard comme ça sur le reste de la surface. Hop, avec des blocs pour soutenir les blocs de béton en poudre bien sûr. Voilà, et petit à petit ça va se remplir. Ok, donc on en a fini pour le socle, la colline comme j'aime l'appeler. Et heureux, donc normalement vous avez notre socle ici comme ça sous les yeux, vous pouvez le réaliser, très bien. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire le premier étage, en tout cas la forme du premier étage, ok. Pour pouvoir faire celui-là, du coup on va partir ici, de ce bloc-là du coup qui est juste devant les escaliers, ok. Vous voyez, hein, donc de la façade, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blocs. Alors 17 blocs, vous êtes ici, hein, ok, 17 blocs. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs vers le haut pour mettre votre premier bloc ici, ok, en quartz lisse. Vous prenez le quartz lisse ici. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs pour obtenir le premier coin ici, d'accord. On revient au milieu et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs. Pareil, du coup, de l'autre côté pour obtenir la première barre à ce niveau-là, d'accord, par rapport au socle. Ok,
Maintenant qu'on a ça, je vais vous donner les dimensions pour pouvoir réaliser les contours du premier étage. Ok. Et une fois que vous avez ça, hop, de quartz lisse, hein, je précise, eh bien, il va falloir tout simplement remplir toute la surface ici en bloc de quartz lisse, faire la surface, tout simplement. Donc, bah, allez, let's go, hein, on va tout simplement, hop, remplir tout ça. Hop. Ok, une fois qu'on a fini de remplir la surface avec des blocs de quartz lisse, on va venir ici sur la façade, ok, la façade est de l'autre côté, et on va faire le grand carré en plein milieu, ok. La grande partie carrée, enfin c'est un rectangle, mais ouais, comme vous le savez, moi les carrés, tout ce qui est forme géométrique, pour moi j'appelle ça un carré, même si ça a 8 côtés, 12 faces, c'est pas un problème, c'est un carré, voilà, voilà, faut le savoir, c'est tout. Donc on arrive sur la façade ici comme ça, on arrive sur le coin ici, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocs de hauteur, ok, comme ça, hein. Et puis, hop, juste de l'autre côté, alors sur la longueur ici, on va mettre 23 blocs en longueur, hein, comme pour là-bas en dessous. Hop, on va recompter 12 blocs ici, pareil, et on va avoir un cadre, un rectangle, ici comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr, hop, ici comme ça, hein, en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, youp, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et normalement, vous êtes à la même hauteur que de l'autre côté. En face, normalement, hein, vous rejoignez les deux piliers qu'on vient de faire. Et normalement, vous êtes bon. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le deuxième étage en place. Hop. Alors du coup, là, j'ai mis les contours pour le deuxième étage. Et maintenant, bah, je vais vous donner les dimensions pour pouvoir le réaliser, d'accord? Juste avant, pour pouvoir placer les blocs par rapport au premier étage, je vous invite à revenir au premier étage ici, au niveau du bout. Donc, vous voyez, hein, dans ce sens-là, ce bout-là. Hop, on va compter ici, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en hauteur, bien sûr. Hop, et comme ça, vous avez le premier coin ici, comme ça. Et ça vous permettra de réaliser tout le reste de l'étage ici. Pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé, normalement, il va falloir compter 11 blocs de l'autre côté ici, si je ne me trompe pas. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 1, voilà, donc c'est 11 blocs, effectivement. Le 11e bloc à partir de ce bout-là, et le 10e à partir de l'autre bout, et normalement, vous tombez pile poil sur les bords ici, comme ça, le coin ici et le coin là-bas. Comme ça, vous pourrez facilement vous repérer pour mettre le deuxième étage, que je vais vous donner les dimensions tout de suite d'ailleurs. Ok, donc normalement vous avez le deuxième étage, et maintenant, bah, comme on avait fait juste avant, hein, on va le remplir, on va mettre des blocs de quartz lisse, hop, et puis voilà, hop, voilà. Alors, du coup, j'ai rempli le deuxième étage et j'en ai profité pour placer les contours du troisième et dernier étage, hein, le toit, véritablement. Alors, pour placer les contours du toit, hop, on va venir prendre comme repère, ici, du coup, la barre sur le côté qu'il y a au niveau du deuxième étage. Et, en fait, les coins du troisième étage vont être tout simplement juste au-dessus, hein, pile poil, à 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de hauteur à chaque fois, comme vous l'avez compris. Chaque étage, hein, le premier, le deuxième, le troisième, sont tous à 6 blocs de hauteur chacun. Ils ont 5 blocs de hauteur sous plafond, plus le plafond, donc 6 blocs. Ok. Donc voilà. Donc sur la ligne ici, hein, et normalement vous devriez être raccord quasiment partout. Ici aussi, vous voyez, vous êtes juste au-dessus. Ici, vous êtes juste au-dessus sur toute une grande ligne. Et vous avez ce coin-là et ce coin-là qui sont juste au-dessus l'un de l'autre également. Voilà, comme ça, vous avez les repères qu'il faut. Voilà, donc maintenant, du coup, je vais vous donner les dimensions pour le réaliser. Ok, donc normalement, vous avez ça sous les yeux maintenant. Et on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va placer les blocs pour remplir le toit. Alors, le toit, ça va être un petit peu différent, vu qu'on va
mettre du coup le jardin ici, vous voyez, donc on va falloir mettre des blocs d'herbe de côté, des blocs de terre d'herbe de côté, ok. Donc sur toute cette partie là va falloir laisser, comme vous pouvez le voir, deux blocs de toit ici comme ça, hein, de chaque côté, clac clac, hop, clac clac, deux blocs sur toute cette partie là, d'accord. On mettra le reste plus tard, c'est pas important, mais ici comme c'est un gros morceau, on va laisser juste, hop, deux blocs de chaque côté sur cette partie ici. Allez, hop, hop, vous voyez, donc là j'ai fait un carré avec deux blocs de chaque côté, hein, et l'idée c'est de remplir le milieu avec de l'herbe. On rajoutera de l'herbe encore après, un peu plus tard, mais voilà, pour l'instant on fait ça. Hop, ok, et puis tout simplement le reste, hein, du toit, youp, hop, voilà. Donc, eh bien, on commence à voir vraiment la structure du bâtiment se faire, hein, comme vous pouvez le voir. On commence vraiment à voir quelque chose. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre directement les bordures de notre cadre. Le cadre, le grand cadre en plein milieu de la maison, c'est vraiment la signature de la maison, hein, comme vous pouvez le voir ici en plein milieu, là. Ça, c'est vraiment la particularité. Donc, ce qu'on va faire, on va venir prendre les bords ici, vous voyez, de notre cadre, et on va les relier à la maison, tout simplement. D'accord ? Hop, la même chose de l'autre côté. Et on va venir utiliser ce cadre pour mettre un espèce de parasol semi-couvert, un espèce de terrasse semi-couverte en dessous du coup. On va utiliser les dalles en quartz. Ok, et on va venir mettre tous les deux blocs, un, deux, voilà, deux blocs d'écart. On va mettre des espèces de lignes comme ça, de blocs de quartz. Un peu du quartz ou du quartz lisse, hein, peu importe. On va faire ça de chaque côté, hop, hop. Et normalement, vous avez un trou de 3 blocs de large au milieu. Sur le reste, vous en avez des blocs de 2 blocs de large. Mais en plein milieu, vous avez un trou de 3 blocs. Pour souligner un petit peu l'entrée de la maison. Parce que vous voyez, normalement, votre trou de 3 blocs, il est aligné pile poil au milieu de l'entrée de la maison et de l'entrée de l'escalier, tout ça, vous voyez. Comme ça, ça fait quelque chose de bien bien central, ça appuie une certaine puissance finalement de la maison lorsqu'on la regarde de loin. Hop. Alors, pareil, hein, ici, hop, hop. Voilà. Alors, on va faire quoi maintenant? On va faire les murs, ok? Donc, j'ai placé les murs, la forme du coup des murs et des fenêtres pour chacun des étages, d'accord? Et on va du coup commencer par le rez-de-chaussée. Je vais vous donner toutes les dimensions pour pouvoir réaliser tout ce qu'il faut. Ok, donc l'idée c'est que vous partez de notre grand cadre principal ici. Vous allez ici sur le côté prendre le coin de ce bout-là du bâtiment, d'accord? On va se mettre juste au-dessous au niveau du sol. On va compter à partir de notre position 1, 2, 3, 4 blocs et un bloc sur le côté, et c'est là qu'on va placer notre premier bloc histoire d'être raccord. Voilà, ok. Alors, on va placer donc des ardoises des abîmes carrelées, si je dis pas de bêtises. Donc l'ardoise des abîmes carrelées, c'est ça, qui est un très joli bloc d'ailleurs. Ok, on va commencer à partir d'ici, on va faire une ligne de 5 blocs ici comme ça sur la longueur, ok. 5 blocs, on en mettra 3 sur le côté comme ça. On vient ici et on va laisser un trou, on va laisser une ouverture de 5 blocs, comme ça où il n'y a rien à voir du tout. On va remettre un mur de 3 blocs, ok. On va venir mettre une fenêtre de 6 blocs de long. Du coup, oui, je précise, là où j'ai mis des vitres, ce sera des fenêtres. Là où j'ai rien mis du tout, ce seront des ouvertures, des portes, des grandes portes où il n'y aura rien du tout en réalité. Ok. Après, on va mettre 3 blocs d'ardoise, puis 6 blocs d'ouverture, un coin en 3 blocs comme ça. Hop, dans ce sens là on va mettre 4 blocs de vitres, ok, 4 blocs de murs. Tous les murs sont en ardoise sauf les murs de l'entrée, ça je précise tout de suite. Ici sur le côté on va laisser 5 blocs de trous, un coin en 3 blocs, ici 6 blocs de trous, 3 blocs de murs, 6 blocs de fenêtres, 3 blocs de murs, 6 blocs de fenêtres. Ici sur le côté, vous mettez 2 blocs.
et ici 1, 2, 3, 4, 5 blocs de mur sur le côté. On revient comme ça, on remet 2 blocs de mur, 6 blocs de trous, 5 blocs de mur, un petit bloc de fenêtre, et ici on va utiliser de la sandstone, alors de la sandstone en anglais, du coup du grès taillé en français, sur 3 blocs comme ça. Et donc ce sera l'entrée de la maison. Ici du coup on va faire une rangée de piliers en grès qui vont tous être espacés de 3 blocs chacun, ok ? 3 blocs, 1 pilier, 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 du coup sur 4 piliers, d'accord ? Et puis après on remet un mur de 3 blocs comme ça. Ok. Ici on remet une fenêtre de 4 blocs. Ici un mur en ardoise de 5. Une ouverture de 3. 3 piliers en ardoise séparés par des fenêtres chacun. Après 6 blocs d'ouverture. 6 blocs de mur. 4 blocs d'ouverture. 3 blocs de mur comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 blocs de mur derrière comme ça. Alors il y a de l'ombre. Je vais les enlever rapidement, voilà. Ici, 2 blocs de mur sur le côté. 7 blocs de vitres, d'accord. Youp. 3 blocs de mur. 5 blocs de vitres. Enfin, non, de rien du tout, d'ouverture. 3 blocs de mur. 4 blocs de vitres. 5 blocs de mur. 4 blocs de vitres. Et ici, vous mettez 4 blocs de sandstone, donc de grès taillé, avec un bloc qui dépasse vers l'intérieur du bâtiment, et normalement, vous êtes aligné avec l'autre bloc, l'autre mur en face, de sandstone, de grès. Et donc, pareil, ici, vous mettez vos 4 piliers de... Alors, j'ai l'habitude de dire sandstone, mais c'est du grès taillé en français, en face, comme ça, d'accord. Et donc, tous en face de ce que vous avez mis de l'autre côté. Ici, on reprend 4 blocs de murs de grès taillé, avec un bloc qui dépasse dans la maison. Ici, sur le côté, vous rajoutez 6 blocs d'ardoise, de murs en ardoise. Ici, 7 blocs de vitres, de fenêtres. 4 blocs d'ardoise. 1, 2, 3, 4 blocs, donc sur le côté, de murs. 5 blocs de trous. 3 blocs de murs. 6 blocs de vitres, de fenêtres. 3 blocs de mur, 6 blocs d'ouverture, et ici, j'ai fait le tour, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, ok, très bien. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tous les blocs en ardoise, comme ça, on va venir les monter jusqu'au plafond. Hop, ok, voilà, comme ça, et on va faire ça sur tout le long de la maison qu'on vient de faire, du tour qu'on vient de faire ici, et donc pareil pour les vitres, ici, comme ça, on va faire... Hop, des fenêtres complètes, on va les monter jusqu'au plafond, elles aussi. Ok ? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ok, très bien. Alors, pour les ouvertures, ici, là, donc toutes les parties où on aura laissé ouvert, ok ? On va rajouter, évidemment, les murs sur les côtés, hein, ça change pas. Hop. Le seul truc, c'est qu'on va utiliser les vitres, hop, et on va venir faire une ligne de vitres sur le dessus, hop, sur 2 blocs d'épaisseur, comme ça on a 3 blocs d'ouverture en dessous pour pouvoir voilà, passer en dessous tranquillement. Ok, dernière chose du coup, c'est ici bien sûr le grès, ben, pareil, hein, pareil pour le grès, on va le monter jusqu'au plafond, hop, et pareil pour les piliers, les autres murs et tout, ok. Allez, on fait ça sur tout le tour. Hop. Ok, voilà ce que ça donne du coup pour le premier étage, hein. Hop, c'est tout de suite beaucoup plus habillé. Ok, on va juste faire un dernier truc au niveau du premier étage, c'est-à-dire qu'on va venir changer le sol ici. Ok, hop, et on va venir mettre du quartz au niveau du sol à la place. Ok, voilà. Donc comme je le disais lors de mon dernier tuto, hein, je sais que je vous demande dans une partie de la construction, dans une partie du tuto, de faire quelque chose, et après plus tard dans la...
vidéo. Je vous demande de défaire cette même chose. Là, par exemple, je vous ai demandé de mettre un sol comme ça avec de la pierre et tout. Et maintenant, je vous demande de l'enlever pour mettre du quartz à la place. Et en plus, sur, pas pour une petite surface, vraiment pour une surface assez, assez grande. Donc, je sais qu'il y en a certains qui, d'entre vous, se sont plaints de ce genre de choses dans les commentaires des dernières vidéos. Je comprends tout à fait que c'est pas tout à fait optimal hein, comme façon de présenter, mais voilà, c'est ma façon de faire, c'est tout, j'ai toujours buildé comme ça, je vais continuer, navré, voilà, ça fait 10 ans que je fais ça comme ça, voire même peut-être même un peu plus, c'est terrible, mais voilà, donc je vais pas changer, voilà, tant pis. On remplace du coup tout le sol par du quartz. C'est parti, on s'aligne évidemment avec le reste des ouvertures comme ça, hein, voilà. Allez, allez. Hop. Ok. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner les dimensions pour les murs du deuxième étage, du coup, maintenant. On va reprendre, du coup, notre grand cadre en plein milieu de la maison, ok. On va prendre notre coin ici. Hop. Paf, on va venir dessus, on compte 1, 2, 3, 4, 5 blocs et un sur le côté pour placer notre première ardoise. Des abîmes carrelés. Hop, on met une petite ligne de blocs ici de 4 blocs de long, 3 blocs sur le côté pour faire notre premier pan de mur. On met un espace, on met 5 blocs de vitre. On met 3 blocs d'ardoise. Ici sur le côté, on laisse 5 blocs d'ouverture. 3 blocs de mur, 4 d'ouverture, 4 seulement, ok. 3 de mur, 2 de mur sur le côté, 6 blocs de vitre, 4 blocs de mur, à partir du deuxième bloc ici, on met 4 blocs de fenêtre, 3 blocs de mur, hop, 6 blocs de vitre, 5 blocs de mur, à partir de celui-là on met 1, 2, 3, 4 blocs de mur, 1 bloc de fenêtre, 3 blocs de mur, 6 d'ouverture, 3 murs, 3 de mur, 6 d'ouverture, 3 de mur, 4 d'ouverture. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici de mur, d'accord. Et dans ce sens-là, on en met 4 sur le côté, comme ça. 3 de blocs de fenêtre, ok. 3 piliers, donc 3 blocs d'ardoise séparée d'un bloc de fenêtre chaque. Ici, 6 blocs de vitres, 6 blocs de murs et 6 blocs d'ouverture. Sur le côté, 6 blocs de murs à nouveau, plus 2 sur le côté. Ici, 7 blocs de vitres, une grande fenêtre, 3 blocs de murs, 5 d'ouverture. 3 blocs de mur, je ne fais plus mes mots, 4 blocs de fenêtre, 5 blocs de mur, 4 blocs de fenêtre, 4 blocs de mur, 5 blocs d'ouverture, 3 blocs de mur, 6 blocs d'ouverture, ici 9 blocs de mur, hop, 7 blocs de fenêtre, 4 blocs de mur, 1, 2, 3 blocs par devant comme ça, et normalement on est revenu à notre point de départ. D'accord ? Normalement, vous êtes pile poil revenu là où il faut. De la même façon, comme on avait fait au premier étage, on va monter tous les murs jusqu'au plafond. D'accord ? Hop, classique, hein, comme on a fait juste avant. Hop, voilà. Les murs, les fenêtres, pareil, jusqu'au plafond. Hop, 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 hop. Ici, comme ça, normalement. Voilà, alors les vitres, c'est toujours le truc le plus délicat à placer. Hop, voilà. Et évidemment, au niveau des ouvertures ici, pareil, on va laisser, hop, on va mettre deux blocs de lignes, enfin deux lignes de vitres juste au-dessus comme ça. Exactement pareil que pour le premier, d'accord? Allez, on fait ça sur toute la longueur du bâtiment. Hop, ok, donc voilà pour le deuxième étage. Pour le troisième étage, on va refaire la même chose, on va reprendre ici notre cadre, on va venir sur le côté là, vous voyez, prendre ce coin. Ok, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs sur le côté, hop, et 1 sur l'autre côté, voilà. Et donc on pourra poser notre premier bloc ici.
Paul Broc d'Ardoise. Ici, sur le côté, du coup, sur la longueur, pardon, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de mur, voilà, comme j'ai marqué ici. 2 blocs sur le côté ici. 10 blocs d'ouverture, ok, comme ça. Donc j'ai mis quelques vitres sur 3, 4, 5, 6 blocs de vitres, ok. Et puis après, 4 blocs d'ouverture ici, comme ça. Alors, 3 blocs de mur. Ici, 5 blocs d'ouverture. 3 blocs de mur, 4 blocs de fenêtre, 3 blocs de mur et 2 blocs sur le côté, 6 blocs de fenêtre, 3 blocs de mur, 7 blocs d'ouverture, 4 blocs de mur, 3 blocs de mur, 1, 2, 3 blocs par derrière, ici comme ça. On va laisser 3 blocs d'espace. On va reprendre ici pour mettre 5 blocs dans la longueur, ici comme ça. Ok. On va laisser 2 blocs sur le côté. Hop, 6 blocs de mur. Non, enfin, c'est 6 blocs d'ouverture, pardon. 3 blocs, je sais plus parler. 3 blocs de mur. 6 blocs de fenêtre. 3 blocs de mur. 4 blocs d'ouverture. On reprend ici sur 5 blocs de mur, comme ça, sur la longueur. 1, 2, 3, 4 blocs sur le côté. 3 blocs de fenêtre. Ici, on a 5 blocs sur la longueur. On retrouve nos 3 piliers en ardoise avec un bloc entre chaque. 6 blocs de fenêtres. Ici, 5 blocs comme ça sur la longueur d'ardoise. Puis 1, 2, 3, 4, 5 blocs de mur sur le côté. Ici, on revient. 4 blocs d'ouverture, 3 blocs de mur, 2 fenêtres, 2 blocs de fenêtres. 3 blocs de mur, 4 d'ouverture, 3 de mur, 2 blocs de fenêtre, 3 de mur, 7 de fenêtre. Ici on a 8 blocs comme ça d'ardoise. Hein. On revient ici, on a 4 blocs d'ouverture sur le côté, 5 blocs de mur, 4 blocs d'ouverture. Normalement vous êtes aligné ici avec l'autre côté en bout, hein. Vous voyez, pareil ici. Ici, on retrouve nos 5 blocs de mur, sur le côté 3. Ici, 5 blocs d'ouverture, 3 blocs de mur, 6 blocs d'ouverture, 3 blocs de mur. Entre les deux, là, normalement, vous avez 4 blocs. Hein. Si vous êtes bon, vous avez 4 blocs. Ici, 3 blocs d'ouverture sur le côté, et on reprend ici par une ligne de 5. D'accord ? Puis 2 sur le côté, 3 blocs de fenêtres, et ici on retrouve notre premier mur de 6 qu'on avait vu au départ. D'accord ? Donc pareil, encore une fois, on monte les murs, on montre les fenêtres, on laisse les ouvertures et on met des vitres au-dessus des ouvertures. Pareil. Allez hop, let's go. Ok. Donc oui, petite précision, hein, vous voyez, dans les espèces de murs qui s'enfoncent comme ça vers l'intérieur de la maison, il vaut mieux mettre les vitres en bout de mur, comme ça, vous voyez, vraiment vers l'intérieur de la maison. Ok, donc, maintenant qu'on a ça, on va venir placer le reste des piliers de structure en utilisant du grès taillé pour faire des colonnes. Alors, ici on est sur la partie arrière de la maison, donc on va venir en dessous de cette partie-là. Vous voyez, là on a nos 3 piliers, hein. Et on va venir, hop, mettre des piliers à partir d'ici. Ok, voilà. L'idée étant de laisser juste un bloc de chaque côté de notre espèce de balcon ici. C'est pas vraiment un balcon, c'est juste un espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bref, vous laissez un mur de chaque côté, et pareil, le pilier de l'autre côté aussi, de la même façon. Ok. On va venir rajouter des piliers ici, là vous voyez, on a besoin, ici sur cette partie là. Donc on va venir prendre ce coin là, on va venir prendre un bloc en diagonale ici, on va mettre notre premier pilier, ok, qui va se prolonger juste en dessous, hop, comme ça, d'accord. Donc à partir de ce pilier là, on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et au 9e bloc, on va rajouter un deuxième pilier. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, et à partir de 9, on met un pilier.
on les prolonge en dessous. Hop. J'arrive pas à voir. Ok, ici. Hop, ok, comme ça. Et en dessous, ici, là, vous voyez, sur la partie rez-de-chaussée, on va compter encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 blocs, comme ça, pour mettre un autre pilier ici, comme ça. Ok, on va rajouter un autre pilier ici dans l'alignement. Hop, ici, en bout de course, on va laisser le coin ici, un bloc en diagonale, on met un pilier, hop, comme ça. D'accord ? Ok, on prend ce pilier là, d'accord, on va, youp, en face, ici, on prend ce bord là, on laisse un bloc de bord et on met un pilier ici, donc en face de l'autre. Ok, ici du coup, de l'autre côté de la maison, hein, dans ce espèce de balcon ici, on va rajouter des piliers, hop, ici comme ça. Pareil, en laissant toujours un bloc de marge de chaque côté. Hop, la même chose ici dans le coin opposé. Hop, comme ça. D'accord ? Ici, on a une espèce de grand préau. Donc, on va utiliser la même chose. On va venir sur ce coin ici. On va laisser un bloc de chaque côté. Et on va venir mettre un pilier ici, comme ça. Hop ! Au niveau du sol. Ok, on va rajouter deux autres piliers. Ici, comme ça, on va se mettre dans l'alignement. Hop ! On va laisser à partir de ce mur là deux blocs et on va mettre un pilier à partir du troisième bloc et on va venir le faire monter jusqu'au plafond pareil. La même chose dans ce sens là, on va venir ici, youp, alors attends, j'ai loupé le mur, non pas encore, ok, on est ici, hop, l'idée étant de laisser un bloc de marge entre le deuxième étage et le pilier, d'accord, comme ça. Vous faites ça. Alors, ici, il y a des piliers, mais je me rappelle plus où ils sont. Alors, tout simplement, en bout de terrasse, tout simplement. Ok. Hop. Donc, on les rajoute ici, vous voyez, sur la partie qui est détachée du reste de la maison. Hop. Voilà, comme ça. Et un pilier de l'autre côté, ici. Ok. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre en place les escaliers, ce serait pas mal. On va venir utiliser les escaliers en ardoise des Arbim carrelé, ce qui est un long extrêmement long pour un bloc d'ailleurs. Mais on va venir ici comme ça, on va laisser un bloc ou deux sur le côté, je ne me rappelle plus non plus. Il me semble qu'on va juste laisser un bloc sur le côté. Vous laissez un bloc comme ça et on va mettre trois blocs d'escalier des Arbim carrelé. Hop, comme ça sur le côté, et on va venir mettre un escalier comme ça. Hop. Hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on va venir comme ça jusque au sol, hein, forcément. Pouf, pouf, pouf. Ah non, voilà. Ok, donc on a mis notre premier escalier à ce niveau-là. On va mettre... Ah, moi j'aime bien passer ici à l'intérieur du truc, vous voyez. You. You. Alors, youp, on arrive ici de l'autre côté de la maison et vous voyez qu'on a un espace à ce niveau-là pour pouvoir mettre un autre escalier. Hop, donc on va laisser un bloc comme ça sur le côté pareil. On va mettre ici trois blocs. Et vous voyez, on a juste un bloc de chaque côté. Oh, on dirait que c'est fait pour, c'est incroyable. Hop. On va rajouter des escaliers comme ça pour aller jusqu'au sol. Hop, hop. Hop, 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 voilà, classique. Franchement, il est très très joli, hein, ce bloc-là, vraiment, d'ardoise des Arbim carrelé. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas du tout comment on fait pour l'obtenir en survival, pour être très honnête, hein, je fais que du créatif tout le temps, mais c'est un très 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 joli bloc, j'aime beaucoup. Les dernières versions, là, nous ont ajouté un très joli bloc. Bref, une fois qu'on a ça, on va venir rajouter les barrières au niveau des différentes terrasses. On va venir utiliser des vitres, des blocs de vitres. Et au niveau des barrières, ici par exemple, hein, sur la terrasse, à ce niveau-là, on va rajouter dans l'alignement du mur, ici comme ça, des barrières. Hop. Et on va venir faire prolonger
ces vitres-là jusqu'à jusqu'ici. Hop, comme ça. C'est-à-dire qu'on va laisser un bloc de terrasse à ce niveau-là pour mettre des pots de fleurs, par exemple, ou pouvoir faire pendre des feuilles, ce genre de choses. Et puis après, on va venir, hop, relier jusqu'ici, jusqu'à ce mur-là. D'accord ? On continue sur ce côté ici, là pareil dans le prolongement du mur, paf 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 paf, on rajoute des vitres sur tout le long de notre... Hop, de notre terrasse-balcon finalement. Ok, pareil au niveau du bas, ici comme ça, paf 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 paf. Voilà. Hop, et jusqu'ici. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres terrasses au niveau du dernier étage? Oui, il y en a ici. Tiens, ici d'ailleurs, on va rajouter des piliers. Parce qu'il n'y en a pas assez. On va rajouter des piliers ici, dans le prolongement de ceux qu'il y a en dessous. Vous voyez? Voilà. Voilà, je pense que c'est bon après ça. On va dans l'alignement du mur, ici comme ça. On va dans l'alignement des piliers. Hop, on les met derrière les piliers. Non, dans l'alignement du pilier, c'est très bien. Hop, comme ça. Très bien. Au niveau du dessous, pareil, dans l'alignement du mur. Hop, les vitres, comme ça, pareil. Comme ça, on arrive juste à côté de l'escalier, nickel. Hop, des vitres comme ça. Voilà. Alors, pour ici, le balcon, comme ça. Voilà, ici, bon pareil que de l'autre côté, alors du coup, on va dans l'alignement du mur, on arrive ici à côté du pilier, hop, voilà, ici au niveau des piliers, paf paf, on relie les piliers entre eux avec de la vitre, jusqu'ici, on prolonge, hop, jusqu'au bout, on arrive sur le côté des escaliers. Ici il va y avoir une piscine, donc je vais pas mettre les vitres tout de suite, on va faire la piscine d'abord. Est-ce que j'ai oublié un morceau quelque part? Oui, je l'ai oublié ici bien sûr, hein. Paf. Hop, ok. Bon bah ça avance notre petite maison là quand même, là on aurait carrément une maison, là, si on pourrait s'arrêter là techniquement, même si ça fait vraiment pas très fini, on va pas se mentir, et on peut pas accéder au deuxième étage non plus, donc comme ça c'est c'est pas terrible, donc non, elle est pas finie du tout, elle est pas finie du tout, donc on va rajouter une piscine et finir la terrasse à ce niveau là, donc on va utiliser les blocs de béton bleu, hop, béton bleu clair pour être exact, hop, ici comme ça, ok, donc on va venir prendre le coin à ce niveau là, on va venir compter 1, 2, 3 blocs en diagonale et on va venir creuser du coup dans le sol et on va compter 11 blocs dans ce sens là, ça nous fait 1 bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, et on fait un grand carré, hop, comme ça, et oui je sais c'est pas un carré, voilà pareil, hein, toutes les formes géométriques sont des carrés. Si, toujours. Et vous remplissez avec du bloc de béton bleu clair. Hop. Hop. Rapidement, hein. Hop, hop. Youp. Une fois qu'on a notre fond de piscine, on va rajouter des escaliers en quartz comme ça sur le côté. Donc, hop. Ici, dans ce sens-là, on va laisser un bloc sur le coin. Hop, 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 hop. Et on va venir faire comme ça. On va laisser un autre bloc de coin ici pour pouvoir mettre tout simplement du quartz classique. Des blocs de... Oui, c'est ça, de quartz classique. On va venir utiliser le vert, les blocs de vert dans l'alignement des blocs qu'on vient de mettre. Hop, comme ça. Et comme ça, pour finir le coin de la piscine. Et évidemment, on va rajouter quand même de l'eau. Ce qui est quand même bien pour une piscine, techniquement. Voilà. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, on va venir utiliser les feuilles de sapin.
J'avais envie d'utiliser beaucoup le sapin en fait dans cette maison là, vous voyez j'ai mis du sapin partout, les feuilles qui sont utilisées pour la décoration sont des feuilles de sapin également, voilà. Donc on va venir mettre des feuilles de sapin ici comme ça, genre des blocs de deux comme ça qu'on va espacer tous les deux blocs. Et on arrive au niveau du coin, parfait. Ok, ah non. Voilà. Ok. Et on va venir utiliser les vitres pour finir. Alors, est-ce qu'on les met derrière? On les met derrière peut-être les... Voilà. Pour finir la terrasse. Hop. Ma foi. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... On va garder les escaliers en quartz d'un côté. Et on va venir utiliser les ardoises carrelées. Les ardoises des abîmes carrelées. Et on va venir faire un espèce de petit chemin entre l'escalier central ici et l'entrée de la maison. Bon, techniquement, il y a 5 entrées, mais de chaque côté. Mais c'est pas grave. On va venir faire des grands carrés comme ça. 2-3 blocs par 3 blocs. Et on va les espacer pareil de 3 blocs à chaque fois. Ok, 1, 2, 3. Voilà. Et on va faire ce genre de choses là qui nous donne un espèce de petit chemin. Voilà, ça paye pas de mine, mais c'est quand même une petite finition qui fait sympa, qui fait plaisir. Ok, au niveau de l'intérieur de la maison maintenant, on va utiliser les dalles en quartz. Hop, parce que vous allez voir un problème assez rapidement, c'est que lorsqu'on est à l'intérieur de la maison, vous voyez, ben on voit le dessous de la piscine. Et pareil, au niveau du toit, eh bien on va voir au dernier étage, là, j'ai plus mon night vision d'ailleurs. J'enlève les ombres rapidement pour le... Voilà, pour le tuto. Hop. Donc l'idée pour pouvoir camoufler la partie de la piscine ici, eh bien l'idée c'est de mettre des dalles en quartz du coup pour recouvrir le plafond. Comme ça vous permettra d'éviter non seulement de voir le fond de la piscine, de voir du bleu comme ça, mais en plus ça vous permettra d'éviter les gouttes d'eau. Voilà, vous voyez là il y a plein de gouttes d'eau qui traversent le plafond. Avec une couche de dalles de quartz, eh bien vous n'y verrez plus que du feu. Hop, voilà. Ce qui rend, bah, ma foi, ça passe, hein, ça passe très très bien. Il n'y a pas vraiment de souci. Ah d'accord, il y a encore des gouttes qui tombent à ce niveau-là. Ah d'accord, bon. Hop, on rajoute une ligne ici. Ok. Donc, on va faire un autre escalier aussi pour monter à l'étage. Alors, pour pouvoir faire des escaliers facilement, hein, le truc, la petite astuce, c'est d'aller à l'étage et de voir où est-ce que vous voudriez que votre escalier arrive. On va faire un escalier par exemple de 2 blocs de large. Hop, comme ça. D'accord, j'arrive pas du tout à cliquer où je veux. Alors le seul truc que je vous recommande du coup pour mettre votre escalier, c'est d'éviter de le mettre en plein milieu de la porte d'entrée. Vous allez voir, je le finis rapidement avec des escaliers en dessus et en dessous bien sûr. Comme ça. L'idée, hop, c'est d'éviter de mettre l'escalier. Alors voilà, bon bah moi je l'ai mis, mais je l'ai pas mis assez sur le côté. De ne pas mettre l'escalier en visuel directement lorsqu'on entre dans la maison, parce qu'il y a beaucoup de vitres évidemment dans cette maison là. Et lorsque vous arrivez ici comme ça, le fait de voir un escalier sur le côté, soit vous mettez la même chose de l'autre côté pour équilibrer un petit peu, mais sinon ça casse un peu la symétrie, c'est un petit peu dommage, ça rend un petit peu moins joli. Bon, moi du coup, je pensais l'avoir mis suffisamment sur le côté, mais c'est pas le cas. Bon, tant pis. Hop. On va rajouter l'escalier pour monter au deuxième étage directement. Hop. On a envie, par exemple, qu'il arrive quelque part par ici. En laissant pas mal de place quand même autour, histoire de faire un peu ce qu'on veut. Hop. Voilà. Ok. Donc voilà pour le deuxième étage. Et vous voyez effectivement que, eh bien, notre,
notre jardin qu'on a mis sur le toit, du coup, eh bien, il se voit par-dessous. Et donc, pareil, hein, on va rajouter des dalles de quartz, hop, en dessous, sur l'ensemble de la pièce, pour pouvoir le camoufler. Hop! Eh bien, voilà, ça rend plutôt bien. Ok, donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je pense qu'on va faire l'escalier pour aller sur le toit maintenant. On fera les finitions juste après. Donc, pour aller sur le toit, on a envie d'arriver quelque part par ici, on va dire. Donc, voilà, quelque part par là, on va dire. Quelque chose comme ça. Ah oui, non, du coup, pas du tout, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. On va arriver plutôt dans ce sens-là. Ok. On va faire une ouverture comme ça. Ici, à côté du toit, enfin du mur. Ça serait mieux qu'en face de la fenêtre. Voilà. Ok. Donc, en face de ce mur-là, hein. Comme ça au moins. Paf, paf. Ok. Hop, hop. 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 Ok. Donc, une fois qu'on a ça, sur le toit, en réalité, on va finir le toit. On va finir le toit. Et ce qu'on va utiliser, ce sont des barres en fer. Voilà, des barres en fer, ici, si j'arrive à les cliquer dessus, voilà, ainsi que des trappes d'or, des trappes en fer, du coup, pour pouvoir faire une espèce de préau, comme ça, semi-couvert, puisqu'il y a des trous, et puis voilà, donc on va utiliser les barres en fer, on va les espacer de 4 blocs chacune, et de 4 blocs comme ça aussi sur le côté, ok, juste au-dessus de l'ouverture de l'escalier, tant qu'à faire. Yep. Hop, ici, donc du coup, par exemple ici comme ça, on va commencer ici, on va les mettre sur 3 blocs de hauteur, ok, 1, 2, 3, 4, paf, 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 ok, on va les espacer de 1, 2, 3, 4 blocs, ici, hop, et on va le faire ça sur les 4, 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, ouais, voilà, 5 piliers de chaque côté, ça paraît bien, hop, hop, une fois qu'on a nos piliers comme ça, on a mis 10 piliers au total, on va rajouter les trappes en fer par-dessus, donc on va les faire dépasser, allez, de 4, 5 blocs, 1, 2, 3, 4, 3 blocs sur le côté, peut-être 4, 3 blocs, non, ça paraît bien, 3 blocs. Hop. Voilà. Hop. Allez. Hop, on va faire un grand... Voilà, on les fait pas dépasser du mur quand même non plus, donc ici on va les faire dépasser que de 2 blocs. On s'arrête au niveau du mur ici, hein, pour pas que ça dépasse. Sinon, vu de loin, ça ferait un peu bizarre. Hop, ici comme ça. Hop, on revient comme ça. Et l'idée du coup maintenant, c'est qu'on va remplir l'espace à l'intérieur et on fera des trous après. Hop, donc on remplit, on met tout ça en trappe. Hop, voilà. Donc maintenant, on va creuser dedans, on va enlever une partie des trappes comme ça. Par exemple, on va enlever 4 ici. Les 4 entre les deux piliers à ce niveau-là, d'accord ? Au niveau du milieu, pourquoi pas, on enlève juste 4 comme ça. Pareil ici, on enlève juste 4. 3 entre chaque, pourquoi pas. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà, pourquoi pas. C'est une possibilité. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, on va pouvoir délimiter la terrasse que l'on va mettre sur le toit. On va mettre une terrasse de toit. Et on va évidemment la délimiter par des... barrières en fer, j'allais dire, c'est pas des barrières en fer, c'est des barrières en verre, hop, que l'on va mettre ici comme ça, hop, et on va les mettre jusqu'ici, hop, et dans l'alignement des piliers à ce niveau là, hop, et on revient ici comme ça, ok. Alors, on va faire l'autre côté aussi. On revient à ce niveau-là. Hop.
Et on revient comme ça, on laisse une petite barrière comme ça, on rejoint le jardin. Pour l'instant, on laisse la barrière comme ça. Et on va venir reprendre nos blocs d'herbe. On va venir ici sur le côté, creuser dans le toit. On va laisser deux blocs par rapport au bord du toit. Hop, et on va venir creuser comme ça sur tout le long. On va laisser deux blocs ici par rapport au bord du toit ici aussi. Hein, toujours deux blocs de côté. Hop, comme ça. Voilà. 1, 2. 1, 2. Hop. Voilà, jusqu'ici, mettons, on laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs par rapport au bout ici, pourquoi pas. Peut-être même 5 blocs uniquement. Comme ça, on est aligné avec le mur qui est en dessous, ça peut faire joli. Ah oui, mais du coup, il n'y aura pas moyen de le camoufler, vu qu'on sera au-dessus de la fenêtre. Donc on enlève un bloc. Voilà, jusqu'ici. Donc on laisse 6 blocs. On fait notre trait, là, notre espèce de grand conduit sur deux blocs de large. Hop. Youp. Hop. Et on le remplit avec de l'herbe. Hop. Ok. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser les fougères. Alors pas les herbes aquatiques, les herbes normales, ainsi que les fougères. D'accord ? Et on va venir les mettre ici comme ça, sur le bord de notre ligne d'herbe qu'on vient de mettre. Et tous les deux blocs, on va mettre une fougère, ok. Et à chaque trou qu'il y aura entre les deux blocs, on mettra une herbe classique, d'accord. Hop, hop, c'est-à-dire on va prendre l'herbe et on les mettra entre les fougères. Voilà, et on va faire ça sur tout le long, ok. Voilà, jusqu'à arriver jusque en face de notre vitre ici, vous voyez, tac, 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 voilà, sur le bord de notre grand carré. Hop, hop, ok, donc voilà, maintenant on a notre petite pointe de verdure sur le toit, ce qui est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les rails maintenant. Hop, voilà, les rails, hein. On va venir reprendre les trappes en fer et on va venir utiliser des pots de fleurs. Alors les pots de fleurs, voilà, donc on va être aligné avec notre bout ici de partie en verdure. On va s'aligner ici, on va mettre genre voilà 4 planches de fer comme ça, 4 trappes en carré, et on va venir mettre des rails comme ça. Comme ça, ça fait un rond. Et du coup, ça nous fait penser à des bouches d'aération. Pourquoi pas. On va en mettre une deuxième, parce que c'est une grande maison. On est sur une maison très très luxueuse, très très riche et tout ça. Donc il y a beaucoup beaucoup, il y a énormément besoin d'aération, de ventilation. Bon, même si techniquement, il y a beaucoup beaucoup de fenêtres aussi. Donc, faut pas chercher la logique trop loin non plus. Bon, bref. On met des pots de fleurs ici sur le côté pour faire croire à de sortes d'installations à côté. Des choses, tout ça. Voilà. Alors, on va venir ici compléter notre terrasse grâce à des sièges, hop, on va utiliser du coup des dalles en andésite, ainsi que des escaliers d'andésite, si je les trouve. Hop, escalier d'andésite, escalier de roche, escalier d'andésite, voilà, très bien. On va utiliser aussi du coup des plaques de pression en pierre, hop, ainsi que des vitres. Bon, ça je pense qu'il y a. Et on va venir utiliser, hop, des vitres ici comme ça, qu'on va disposer un peu en carré comme ça, pour pouvoir faire une table en fait, mettre des plaques de pression en pierre par-dessus. Hop, et faire une table hyper hyper design et tout. Donc on va rajouter comme ça des escaliers autour pour faire vraiment une table de terrasse. Mais pour rester un peu dans le ton de couleur de la maison c'est noir et blanc, hein, clairement. Donc voilà, là on a des gris, donc ça nous permet de rester dans le ton et ne pas trop trancher. On va rajouter des bronzates pépères, tu vois, des bronzates qui vont bien. On va rajouter des petites tables qui tranchent un petit peu au niveau des couleurs, justement.
en utilisant du granit, des tables en dalles de granit. Voilà, du granit brut. Voilà, pour faire un peu des tables très très zen, très minimaliste. Ok. Puis voilà, la même chose ici, on va faire une autre table. Hop, pourquoi pas. Ok. Voilà. Ici, comme c'est le jardin, ben on va faire un espèce de petit coin de feu. On va faire un... On va utiliser des escaliers en chaîne. Des dalles en chaîne, je crois qu'il n'y a pas besoin. Des escaliers en chaîne, voilà, classique. On va utiliser des rondins de chêne. De... Hop, voilà, des bûches de chêne. On va utiliser aussi des feux de camp. Hop, feux de camp. Qu'on va devoir éteindre. Donc en fait, on va utiliser de l'eau aussi. Des seaux d'eau. Donc l'idée, c'est qu'on va venir mettre 4 feux de camp en plein milieu comme ça, sauf que vous voyez les feux de camp ça fait de la fumée, ce qui est pas super top sur une maison moderne comme ça. La fumée au-dessus d'une maison moderne ça fait bizarre, au-dessus d'une maison traditionnelle ou une chaumière ou ce genre de truc ça passerait très très bien, mais mais au-dessus d'une maison moderne ça fait bizarre. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va voilà, capturer la flotte, et ça va nous permettre d'avoir juste un feu de camp éteint, comme ça, ça ne nous fera pas de fumée, ça sera pas mal. On va juste rajouter quelques... Hop quelques bancs, tout simplement. Ainsi qu'un espèce de petit chemin, comme ça, en rondin, que l'on mettra face vers le haut, pour faire un petit peu, voilà, le côté... un côté nature... Complètement artificiel, mais bon, pourquoi pas. Voilà, ça peut être sympa comme ça. Et puis, on va rajouter un petit parasol quand même. On va utiliser des barrières en chêne ainsi que des trappes en bois. Trappes en bois, voilà. Ici, comme ça. Donc, 1, 2, 3 blocs de hauteur. On va utiliser des dalles en bois. En chaîne par exemple, hein, toujours en chaîne, pourquoi pas. On va les mettre comme ça sur le côté, genre 5 sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, pareil ici sur le côté. Et on va rajouter des trappes ici, hop, pour faire une espèce de parasol, un peu design, tout ça, mais toujours en bois, histoire de donner un côté faussement rustique. Pourquoi faussement? Parce qu'on est quand même sur un jardin qui est sur le toit d'une maison moderne. Voilà, donc bon, c'est plus une simulation de jouer un petit peu, je sais pas, comme si le mec qui possède la maison c'est un milliardaire, tu vois, il a quand même envie d'avoir son petit coin de nature artificielle. C'est complètement bizarre, mais c'est voilà, bon bref, je vais pas chercher à expliquer trop. On va utiliser des feuilles de sapin, on va les mettre sur le côté ici, hop. Hop, hop, on va laisser passer de 2 blocs chaque quand même, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu too much. Hop, comme ça, on va les mettre sur l'arrière de notre de notre terrasse. Voilà, pour donner un petit peu plus de vivant, de côté vivant à la terrasse. Voilà, et donc, on n'a plus qu'à meubler les terrasses maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ce qu'on a déjà utilisé ici, hein, c'est-à-dire la table, les escaliers et les dalles en andésite, les tables en verre et tout ça. Juste, on va faire une petite amélioration ici. Vous voyez, ah tiens, bah mince, j'ai mis des... Hop, truc là où il fallait pas. En dessous, des espèces de grands préaux, vous voyez, où on a 2 étages de préaux, eh bien, on va utiliser des laines rouges, carrément, pour trancher complètement avec le reste de la maison. Des laines rouges, ici, comme ça. Hop. Non, voilà. Voilà. Et on va utiliser de la neige, des pellicules de neige, des couches de neige, comme ça. Hop, vous voyez. Paf, paf. Et on va venir faire un espèce de canapé, ici, comme ça.
Alors combien de couches on a? 1, 2, 3, 4, 4, 4, ok très bien. Et juste une petite couche en plus sur le côté pour faire un accoudoir, vous voyez. Et autour du pilier ici, vous voyez, alors là du coup pareil, hein, il faudra rajouter des dalles comme on a fait tout à l'heure. Hein. Ici, pouf, faudra rajouter des dalles pour camoufler la terre. Hein. Voilà, hein, pareil sur toute la longueur. Hop, voilà. Bon, techniquement, on pourrait faire ça un peu mieux, mais ça passe. Hop, oui, les dalles en granit. On va utiliser des dalles en granit. Et on va venir faire une espèce de table, comme ça, autour du pilier. Juste pour donner un espèce de petit salon de plein air, complètement gratuit, mais on apprécie l'idée. On va utiliser des iron bars, du coup, des barres en fer. Ah bah, il y a des chaînes aussi, tiens. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des chaînes. Oh ! Ah bah, du coup, j'aurais fait autrement. Enfin bref, donc du coup, très bien, on va prendre des chaînes. J'avais complètement oublié qu'on avait des chaînes, tiens, d'ailleurs. du coup, sur le modèle, j'avais mis des barres en fer classiques. Bref, on va utiliser aussi des vitres blanches ainsi que des vitres noires. Hop, pour reprendre les mêmes teintes de couleur de la maison, hein, blanc et noir. Et on va venir utiliser aussi des pierres lumineuses, hop, des grelampes ocrées. Alors, il y a un délire avec les grenouilles aussi, j'ai appris ça. Parce que je me tiens pas vraiment au courant des news Minecraft et tout ça. Donc du coup, je vois juste qu'il y a des nouveaux blocs, que je les prends. Oh, c'est joli, je les utilise. Mais grelampes, je crois que c'est un rapport avec les grenouilles. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Faudrait que vous me dites ça. Dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Comment on fait pour obtenir ces objets-là en survival? Parce que je suis pas perdu complet, moi. Ça fait genre 6 mois que j'ai pas touché à Minecraft. Un an, même. Bref, on met des... des chaînes comme ça qui pendent du plafond, genre 3-4. Ouais, plutôt 4. Et on va mettre en dessous une vitre blanche. Paf, paf, vous voyez, une grelampe. Une grelampe? Sérieux? Une grelampe? Et comme ça, juste en dessous. Hein, et on va rajouter des vitres noires comme ça sur le côté. Comme ça, ça nous fait... Ben, ça nous fait un lustre, en fait, qui est, ma foi, pas mal du tout. Vous voyez? Donc l'idée, bien évidemment, c'est de reprendre exactement le même lustre à chaque fois dont on aura besoin. Donc, par exemple, ici en plein milieu, sur le balcon, on va utiliser... Hop, 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 ouais non, ça va être... le lustre va être beaucoup trop bas parce qu'il est assez grand quand même. Donc on va directement utiliser les vitres directement collées au plafond. Hop, 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 vous voyez, et on va utiliser ça tout le temps. Donc ici, pareil au-dessus, on va utiliser les vitres, paf, paf, paf. Plonge directos comme ça. 2, 3, 4, 5 blocs d'écart entre chaque. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Paf. 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 Ok. Vous voyez. Et ça rend plutôt bien, en vrai. Ça rend bien, hein. Ok, donc on va refaire la même chose ici, on va rajouter une lampe et un espèce de petit salon en plein air, cosy, tout ça. Cosy mais luxe quand même, hein, parce que quand même. Donc, de la neige. Hop, à la limite on n'est même pas obligé de faire tout à la même hauteur, vous voyez, des coussins. Les hauteurs de neige comme ça, parce que si on met différentes hauteurs de neige, on peut donner l'impression qu'il y a des coussins sur le canapé, ce qui est quand même pas mal du tout non plus. On rajoute une petite table comme ça en granit, un peu décalé en mode minimaliste bobo prout prout, vous voyez, mais luxe quand même. Donc ça, c'est, faut toujours garder ça en tête. On rajoute un lustre pile en plein milieu ici, sur la diagonale qu'il y a entre les deux piliers. Ils sont pas du tout sur la diagonale, donc très bien. Ça marche à moitié. 1, 2, 3, 4 blocs de... D'accord, j'ai plus de night vision. 4 blocs de chêne, une grelampe ocrée. J'arrive toujours pas à m'y faire. Une grelampe? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Une grelampe, quoi. Bref. Voilà, donc on va rajouter
ces lampes là, vous voyez hein, ces quatre lampes ici, il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté. Ok. Oh sinon, on va réutiliser les dalles en quartz. Une grelampe quoi, enfin bref. Ici là sur le côté, alors attendez, c'est ici ou de l'autre côté? C'est ici, d'accord. Donc vous voyez, hein, à côté ici, là, sur cette terrasse-là, on va utiliser les dalles, hop, en quartz, comme ça, et on va venir faire, hop, un espèce de pavage, comme ça, en dalles, un, deux, paf, 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 un, deux, hop, hop, hop. Hop, 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 ok. Hop, ici, pour être juste au-dessus du reste de la terrasse. Hop, ok. Ici, on va faire... Ah! Alors, je crois qu'il y a un petit souci. Oui, voilà. Ok, j'ai mis un bloc au-dessus de la terrasse d'en dessous. Du coup, en fait, il fallait pas faire 4 blocs de large pour les blocs, désolé. Il fallait juste faire, hop, 3 blocs par rapport à la au toit ici, ok, de décalage. Parce que du coup, on avait des carrés qui n'étaient pas de la même couleur. Pas de la même couleur, pas de la même taille. Ça faisait bizarre. Du coup, voilà, on a notre petit préau ici, c'est sympathique. Et puis voilà, donc en fait, maintenant tout ce qui va nous rester à faire, ça va être de mettre les sapins évidemment sur notre socle. Ça va être, de mettre du coup les lampes et l'espèce de parterre là qu'on avait fait là-bas, vous voyez, de ce côté-là aussi. Mais sinon, le reste, c'est vraiment que du détail, c'est vraiment l'aménagement des terrasses. Sauf que les terrasses, elles vont toutes être aménagées de la même façon. Vous voyez, on a fait cette terrasse ici, mais en fait, ça va être ça va être exactement la même chose partout. On va faire les mêmes tables, bronzates. Comment on appelle ça déjà en français? Je sais plus. Moi, j'appelle ça des bronzates parce que ça sert à bronzer. Et transats, voilà. Et voilà, avec la petite table en granit et tout. On va réutiliser la même chose, pareil avec les feuilles et tout, on va réutiliser tout le temps la même chose. Donc du coup, ben, je vais juste vous montrer comment je l'ai fait sur le modèle la première fois. Du coup, vous voyez, hein, sur la grande terrasse ici, pareil, une table avec des pieds en verre et des plaques de pression, des escaliers en andésite, des bronzates ici, des feuilles derrière, le petit... la lampe qu'on a fait, une grelampe, hein. C'est toujours une grelampe, ça me choque ce truc. Comment ça se fait que ça s'appelle une grelampe? Bref. Avec la table classique, les feuilles sur le côté ici comme ça pour donner un petit côté nature malgré tout. La même chose au-dessus, hein, des escaliers pour faire des sièges, une table en verre, des bronzates, la table en granit. Voilà, une table en machin comme ça. Et c'est toujours pareil, hein, vous voyez ici, les feuilles, les bronzates, table en verre, table en granit, table en verre, granit, siège ici comme ça. C'est tout le temps pareil. Ok, vraiment. Le seul truc de différence, c'est qu'on va pouvoir utiliser des pots de fleurs avec des orchidées bleues. Alors ça c'est sympathique aussi quand même, ça fait la petite touche de finition. On va réutiliser du coup des pots de fleurs et des orchidées bleues et on va venir mettre une petite rangée de 4-5 pots de fleurs sur des coins comme ça, par exemple en plein milieu ici, avec des orchidées. On aurait pu en mettre ici aussi par exemple. On peut en mettre sur le côté ici, vous voyez, 5 blocs en alignés juste sur le coin comme ça de la terrasse. Ça donne une petite touche sympa. Et on peut en mettre de temps en temps, pas trop, juste 3-4 fois sur l'ensemble de la maison, 3-4 lignes comme ça. Puis ça marche bien quoi. Vous voyez pareil, la terrasse c'est la même chose de l'autre côté, de chaque côté. Du coup voilà, que puis-je rajouter d'autre? Les sapins, bah vous prenez juste une pousse de sapin et vous faites pousser. Ou alors vous attendez que ça pousse. Voilà. Et je pense qu'on en a terminé. Ah, il faudra juste rajouter une petite lampe aussi à ce niveau-là. Vous voyez, au-dessus d'un préau qu'on avait fait.
Voilà, donc une lampe ici aussi, il faudra la rajouter, hein, exactement comme on avait fait les autres. On peut mettre 3 blocs de chaîne par exemple, on mettra la lampe en dessous. Et puis voilà. Et puis voilà. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour faire la maison. À la limite, ceux qui auraient vraiment envie de rajouter quelques détails de plus, vous pouvez ici, vous voyez sur la partie où il n'y a rien du tout ici, rajouter des panneaux solaires. Donc, comment ça s'écrit en français? Daylight Detector. Détecteur. C'est comment en français? Capteur de lumière. Ah bah ouais. Vous voyez des capteurs de lumière ici, par exemple sur une petite rangée, hop, comme ça, que vous pouvez mettre en jour, en version nuit par exemple. Ou alors des petites antennes, juste une torche de redstone plantée au bout d'une iron bars. Voilà. Si vraiment vous avez envie de mettre quelque chose, c'est pas du tout nécessaire. Sur ce, eh bien, je pense qu'on est allé assez loin. On a plutôt fait ce qu'il fallait, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à me dire d'où viennent tous ces nouveaux blocs dont je ne sais pas du tout d'où est-ce que ça sort sur Minecraft. Les grelampes, ça me casse le cerveau, vraiment. Qui a eu l'idée d'appeler ça grelampe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain tutoriel sur une maison en bois, je crois. En tout cas, que j'ai en tête. On se retrouve à la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent, matelot. Et à la prochaine.